Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la mort, le vainqueur du séjour des morts, que son nom soit glorifié. Alléluia. Oh, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse là où vous nous écoutez. Bienvenue, bienvenue dans notre moment encore de prière. Bienvenue dans notre moment de prière, dans notre moment de prière avec le Seigneur Jésus-Christ. Le ciel est déjà ici avec nous. Le ciel est tellement ouvert et que Dieu nous fera du bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire, oh, alléluia, alléluia, oh, je sens déjà sa présence, alléluia, maya baraba chende bébé, oh, gloire au Seigneur Jésus, gloire au Seigneur, et rabababa, alléluia, oh, merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta présence, oh, merci pour les anges de délivrance qui sont descendus, alléluia, oh, merci pour l'onction de Dieu sur moi, merci pour l'onction de Dieu qui est déjà descendue, oh, gloire, alléluia, marababa, oh, alléluia. Oh, sa présence est déjà ici. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire une prière. Aujourd'hui, nous allons prier. Oh, alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire une prière très, très dangereuse. La prière d'aujourd'hui, c'est pour la destruction des hôtels familiales. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons renverser les hôtels de famille. Oh, rabababa, renderebea. Aujourd'hui, nous allons prier pour renverser les hôtels de famille et les maladies et les problèmes héréditaires. Oh, voilà la prière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire cette prière très dangereuse contre les hôtels de famille. Contre les hôtels de famille et les maladies héréditaires. Les hôtels de famille, ce sont des hôtels bâtis ou bien des altars. Bâtis par des sorciers, bâtis par des ancêtres, bâtis par des gens qui ont vécu avant toi. Ça peut être ta mère, ton père. Mais ils ont bâti ces choses pour vendre toute la lignée familiale. Au point que dans la famille, vous voyez des choses qui se répètent. Les enfants n'avancent pas, les gens n'avancent pas. Rien ne marche parce qu'une mère, une grande mère, était allée vendre toute la famille ou avait fait une alliance avec les esprits des eaux. Alors nous allons prier aujourd'hui pour renverser ces hôtels de famille. Les hôtels de famille existent, mon frère, ma soeur. Je vais vous monter dans la parole de Dieu. Vous allez voir une famille où il y a des choses qui se répètent. Vous voyez une famille où il y a des caractéristiques identiques. Un papa qui était alcoolique, vous voyez des enfants alcooliques. Un papa diabétique et des enfants diabétiques. Un papa avec des maladies du cœur. Et les gens et les enfants souffrent de la même chose. Vous allez voir dans les familles, oh alléluia, sa présence est ici. Où il y a des choses qui se répètent, des cycles qui se répètent. Les gens souffrent de la même chose. Alors que ton papa là était sorcier, alors que les grands-pères là ou la grand-mère là était dans les péchés, mais des choses qu'ils ont amenées dans la famille fait que toute la famille est vendue. Il y a des gens de la famille qui ont fait alliance de la magie, qui ont fait alliance avec le monde des ténèbres pour recevoir les pouvoirs, pour devenir des femmes célèbres, des femmes belles, des hommes célèbres. Alors ces gens-là ont vendu les étoiles des membres de famille, ont vendu les étoiles des gens qui font que d'autres personnes qui sont nées après eux ou bien leurs contemporains n'avancent pas. Mais toi, tu es devenu chrétien. Pourquoi tu dois subir les conséquences de cette alliance? Alors nous allons prendre la parole de Dieu parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors nous allons prier, nous allons voir maintenant dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, chapitre 6, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible déclare, et l'Éternel lui dit, là Dieu parlait à Gédéon, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Oh, j'aime ça. Ça veut dire Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Alléluia. Gédéon bâtit un hôtel. Un hôtel, c'est un endroit qui permet aux esprits d'entrer en contact avec le monde matériel. Un hôtel, ça peut être quelque chose de bien si tu l'as bâti avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Cet hôtel amène la bénédiction de la famille. Mais l'hôtel, dans le monde du ténèbre pour le diable, c'est un endroit qui amène les esprits. Ça peut être dans une famille, un pacte qui a été fait, qui amène des esprits dans la famille. Ça peut être quelque chose que quelqu'un avait fait, qui a ouvert la porte, que la famille est exposée aux esprits, divers esprits, qui fait que les malheurs, les malédictions, les maladies viennent à cette famille. Les
Les femmes ne se marient pas, les hommes ont des difficultés de trouver le travail. Toutes ces choses, ça constitue des hôtels et des altars. Et maintenant, dans la nuit, la Bible dit ici, dans Gédéon, juge 5, 25, Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille des Biézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Alléluia. Oh, dans Gédéon ici que Dieu appelle pour faire un travail. Mais dans la maison de son père, il y avait un autel. Un autel qui n'était pas à Dieu, le Dieu d'Israël, mais un autel qui était à Baal, l'idolâtrie, les idoles. Oh, les idoles ne sont là pour amener le malheur et la destruction. Les idoles ne sont là pour amener des problèmes dans la famille. Les idoles sont là pour amener des maladies héréditaires. Les idoles sont là pour amener des problèmes qui ne se terminent pas. Mais alors Dieu vient et dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Si ton père a fait une alliance avec Baal, si ton père a contracté des alliances avec des démons, des sorciers, des esprits, des eaux de forêt, mais toi tu as rencontré le Dieu créateur des cieux et de la terre. Va renverser cet hôtel, va détruire cet hôtel. Alors nous allons prier, mon frère, ma soeur, pour dire au Seigneur maintenant, nous allons prier pour que si ton père, si ta mère ou quelqu'un dans la famille, ça peut être des grands-parents qui ont contracté des alliances avec des mondes des ténèbres, avec les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des montagnes, les esprits souterrains pour amener le malheur dans la famille, nous allons renverser ces hôtels. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus que le Dieu d'Israël, le Dieu qui avait rencontré Gédéon, le Dieu qui avait dit va, renverse l'hôtel de Baal, soit maintenant avec nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, tu descends avec moi, nous allons prier, tu vas prier, je dis, je renverse les hôtels dans la famille de ma mère, dans la famille de mon père. Tout hôtel qui a exposé la famille aux échecs qui se répètent, qui a exposé la famille aux maladies héréditaires, qui a exposé la famille aux problèmes qui se répètent, qui a exposé la famille à l'envoûtement et à la sorcellerie. Je viens briser cela au nom de Jésus. 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 Je viens briser cela. Rebaya Torobosha. Rebaya Kedebeyandebeya Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebaya Torobosha. Seigneur, je brise l'autel qui s'élève contre moi. Remaya Turobosha, Rikaya Batekiribia, Remaya Nurobosha, Rebaba Baba Baba, Rebaya Turobosha, dans le nom puissant de Jésus, Rebaya Baba, que la présence de Dieu nous accompagne dans ce moment de prière, que les cieux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus, que les anges de délivrance nous accompagnent maintenant vers de gloire, pour renverser tout autel et Mandereba, dans la maison de mon frère, dans la maison de mon frère, qui appartient à Baal, qui appartient à Satan, qui appartient au monde des ténèbres, que cela soit brisé au nom de Jésus, cela soit brisé au nom de Jésus. Oh Rabayan de Rebia Baba, Rekayamato Robo Chandrebia, chaque hôtel, oh Rababa, ça peut être une maladie héréditaire, ça peut être un problème qui se répète, ça peut être des jeunes, des enfants qui meurent jeunes, ça peut être un problème, les femmes qui ne conçoivent pas et se répètent dans toute la famille, ça peut être la prostitution, des familles qui sont exposées à la prostitution, des mariages qui ne terminent toujours en divorce. La famille, on doit briser ces hôtels, on doit renverser ces choses. Cela a été contracté surtout dans le monde spirituel. La seule chose qui peut amener là-bas pour détruire cela, c'est la prière. Alors nous prions au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père éternel. Dans le nom de Jésus, je brise Rebaya Telebia. Je brise Maya Tokoro Boshe. Je brise chaque hôtel Hikaya Mandela. Je brise chaque hôtel qui acquise mon frère. Je brise chaque hôtel qui acquise ma soeur. En tant que serviteur de Dieu, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Que cela soit brisé au nom de Jésus. 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 Les hôtels, Seigneur, des sacrifices. Qui a sacrifié le mariage. Qui a sacrifié le travail. Qui a sacrifié les talents des hommes. Qui a sacrifié la beauté des filles aux esprits des eaux pour les livrer à la prostitution. Je brise, c'est au nom de Jésus, tout hôtel qui m'acquise,
soit brisé au nom de Jésus. Remaya Tokorobosha, les dettes de la famille de mon mère, de mon père, soit brisé au nom de Jésus, de la famille de ma mère, soit brisé au nom de Jésus. Rekayama Terebea, Ribaya Tokorobosha, Nderebea, Baba, au Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie avec ton serviteur, laisse que les anges de délivrance de descendent avec le feu de Dieu, mon Nderebea, pour détruire Maya Badawa, dans la vie de ma soeur, Maya Badawa, dans la vie de mon frère, Rekayama, dans sa famille, Rebaya, dans sa maison, Rebaya Ndurba, chaque hôtel, Maya Tadaba, chaque hôtel, Nderebea, chaque alliance, Maya Tokorobo, que les parents avaient fait, que les ancêtres avaient fait, ou un membre de famille avait contacté la magie, la sorcellerie, pour amener la malédiction de la famille. Cela ne doit pas toucher ma soeur, cela ne doit pas toucher mon frère. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise que la baya torobo chande de bea, rekaya baya terebea, re maya torobo chan. Re baya baba baba. Au Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus, 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 chaque hôtel de famille soit renversé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chaque hôtel de famille qui a mené la malédiction familiale sur les mariages, je brise cela au nom de Jésus, je brise cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chaque hôtel qui amène le divorce, dans les mariages, soit brisé au nom de Jésus. Venant de la famille de mon père, je brise cela au nom de Jésus. Venant de la famille de ma mère, je brise cela au nom de Jésus. Venant de n'importe quel au côté de oh rababa, rimakerebea, au nom puissant de Jésus. Rendebea baba, Seigneur, je brise chaque hôtel qui se lève du côté de la famille de ma soeur, qui se lève du côté de son père. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom puissant de Jésus. Remaya tekerebea, ribababa, remaya torobosha, rinkerebea torobosha nderebea, oh barabaya nderebea. Comment ça briser, comment ça briser, briser les hôtels, commence à prier que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, la Bible déclare notre Dieu est un feu dévorant, le feu de Dieu détruit l'hôtel dans le village de mon père, dans le village de mon père, dans le village de ma mère, dans le village de ma mère, au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu descend au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descend. Que le feu de Dieu descend. Que le feu de Dieu descend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons les autels. Nous renversons les autels. Dans le nom de Jésus. Nous renversons les alliances. Rekaya matekerebe amandorobosha. Rikaya baterebe bebebe ababa. Remandorobosha rebe ababa. Rebaba baba. Remaya tekerebe. Rimaya torobo shaya baba. Rendebe ababa. Rebaba baba. Remaya torobo shanderebe ababa. Rikaya mandorobo. On va prier, mon frère, ma soeur. On va prier. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Michée. Michée au chapitre 7. Au chapitre 7, la Bible dit ceci. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. Alléluia. Oh, vous entendez cela? La fille peut se soulever contre sa mère, la belle fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Oh, rabababa. Il y a d'autres malheurs que tu peux vivre dans ta vie. Il y a d'autres difficultés que nous observons dans nos vies. Tu ne comprends pas, ça vient d'où? La Bible déclare, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La première endroit tu dois conquérir, le premier endroit tu dois conquérir d'abord, c'est ta famille, c'est ta maison. C'est de détruire un hôtel qui a été bâti par quelqu'un que toi tu ignores. Nous aurons prié pour dire, Seigneur Jésus, dans ma famille, Rebaya Mama, répète pour moi, dans ma famille au nom de Jésus, du côté de mon père, du côté de ma mère, que soient mes frères, mes soeurs, et mes cousins, qui ont contracté le monde du ténèbre par des alliances pour amener la malédiction de la famille. Ils ont vendu les étoiles de la famille. Ils ont vendu et cité les noms. Maintenant, je prie. Partout, mon nom a été cité. Que le feu de Dieu descende là-bas pour brûler ces hôtels au nom de Jésus. Et libérer mon nom au nom de Jésus. Et libérer mon nom au nom de Jésus. Et libérer mon nom au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende au nom puissant de Jésus. Je prie que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Et libère ton nom dans les hôtels sous les eaux. Que ton nom soit libéré. Par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, que ton nom soit libéré à Mandoro, dans les hôtels de chômage, dans les hôtels de divorce, dans les hôtels de stérilité, que ton nom soit effacé au nom de Jésus, dans les hôtels de prostitution, que ton nom soit effacé au nom de Jésus, dans les hôtels d'échec, que ton nom soit effacé au nom puissant de Jésus. Remaya Kerebea, Rikaya Bate Kerebea,
Rebaya tokorobo shanderebe ya baba. Rebaya tekerebe ya baba. Remaya torobo shaya baba. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descende. Reba baba. Alléluia. Merci Seigneur. Que le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu est mandéria. Je libère le feu de Dieu. Mandéria. Je libère le feu de Dieu. Baba. Je libère la gloire de Dieu. Je libère les anges de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, de t'accompagner dans cette prière. Au nom de Jésus, parce qu'il est écrit. Gardez silence. C'est moi l'Éternel, je combattais pour vous. C'est Dieu qui combat pour nous. Toi, tu déclares Dieu comme. Au nom de Jésus. Reba baba. Au nom de Jésus. Baba. Mon nom doit disparaître maintenant des hôtels de famille, dans les villages. Dans des villes, sous les eaux, sur les montagnes, sur les pierres, je fasse cela. Au nom de Jésus, Rebaya Baba. Maya Kerebe Baba. Rindara Baba. Rekayaba Torobusha. Rebaya Baba Landerebea. Rekayama Tekerebeaba. Il y a des choses qui arrivent, mon frère, ma soeur. Nous n'arrivons pas peut-être à exceller. Tu n'arrives pas à réussir. Tu fais de bonnes choses à l'école, de bonnes notes, mais toujours il y a des échecs. Il y a des choses qui se répètent toujours, mais tu ne sais pas ça vient d'où. Alors aujourd'hui, toute personne et toute force qui est derrière toi, qui a mené cette malédiction dans la famille, nous allons briser ces hôtels au nom de Jésus. Nous allons briser ces hôtels au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus. Re maya tekerebea, re baba baba, re maya torobosha, re kerebea terebea baba. Dans le nom de Jésus, Père éternel, mon Dieu, mon Dieu, que le feu de Dieu descend, que le feu de Dieu descend. 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 Rebayande rebeyaba. Le feu de Dieu. Rebaya korobo shatarababa. Rimaya kerebeyaba. Rende rebeyaba. Rimaya torobo shandereba. Rikayabaya tekerebeyaba. Rimaya tokorobo shandereba. Tous les hôtels qui réclament ta santé, qui réclament ta santé, sont brisés au nom de Jésus. Rebayande reba. Tous les hôtels, mandereba, qui réclament ton succès, qui réclament ton travail, qui réclament tes enfants, qui réclament ton mariage, sois brisé au nom de Jésus. Remaya korobo shandereba, reba baba baba, rebaya torobo shekerebea baba karabaya. Fire, Holy Ghost shandereba. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu descend, que le feu de Dieu descend. Remaya tokorobo sha. Ô Éternel mon Dieu, mon roi, je prie que ta présence descende, dans la maison de ma soeur, descend dans sa chambre maintenant, descend maintenant là où elle est, descend maintenant sur mon frère, descend dans sa maison, descend maintenant mon roi, dans les dimensions spirituelles, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, pour libérer mon frère, pour libérer ma soeur, pour libérer tout ce qui est à lui, qui a été vendu dans le monde des ténèbres, qui a été vendu dans le monde des sourds, qui a été vendu dans le monde parallèle, au nom puissant de Jésus, que l'ange de Dieu descende, libéré au nom de Jésus. Satan, tu dois lâcher. Tu dois lâcher. Dis Satan, tu dois lâcher. Dis, tu dois lâcher au nom de Jésus. Tu dois lâcher ma vie. Tu dois lâcher ma vie. Tu dois lâcher ma santé. Tu dois lâcher mon mariage. Tu dois lâcher mes enfants. Tu dois lâcher mon travail. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ribayate kerebeya baba. Remate rebeya baba. Rekaya mandorobo sherebeya baba baba. Rekaya bate kerebeya baba. Ikorobo shaya manderebeya baba baba. Oh, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, on doit prier. Tu es dans une position de la prière et de la détermination. Et cette prière, nous allons le faire. Et après cette prière, pas un jour où tu vas faire jeûne et prière. Tu t'élèves et tu joues cette bande. Tu pries, parce qu'il faut que ces hôtels soient renversés. Et tu vas t'élever dans ta maison. À minuit, tu commences à prier. Tu déclares, chaque hôtel qui me réclame, soit brisé au nom de Jésus. Chaque hôtel qui réclame ma vie, soit brisé au nom de Jésus. Chaque hôtel qui s'oppose contre ma destinée, soit brisé au nom de Jésus. Oh, rabaya tekedebe yandedebea, rekaya bayandorobuya baba, et mandedebe yaba, tu dois lâcher Satan, tu dois lâcher les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, tu dois lâcher ma soeur au nom de Jésus. Tout ce qu'on a volé dans sa vie, tu dois lâcher au nom de Jésus. Rekaya mandedebe yababa. Oh, Père. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 18. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Alléluia. Oh, Dieu dit, pourquoi les gens disent, oh, ce sont mes parents.
ils ont fait quelque chose, alors les problèmes viennent sur moi. Oh, peut-être ton père était dans les ténèbres. Peut-être ta mère était dans les ténèbres. Peut-être tes parents n'ont pas une bonne vie. Peut-être pas tes parents, mais avant eux. Oh, tes ancêtres. Quelqu'un a vécu une mauvaise vie, a contracté des contrats avec le monde spirituel qui est dans le monde des ténèbres. Alors cela a mené des problèmes. S'il a mangé des raisins, alors il s'est fait au lieu que lui puisse avoir des problèmes, lui il a eu des succès, lui il a avancé, mais ce sont les enfants qui viennent après, ce sont les femmes qui viennent après, leurs vies sont bloquées, leurs vies ne marchent pas parce qu'il a vendu la famille. Mais l'Éternel dit, je suis vivant, dit le Seigneur, vous n'aurez plus à dire ces proverbes. Oh, alléluia. Ma soeur, mon frère, tu n'auras plus à dire ces proverbes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Jérémie 31. Dans Jérémie 31, il est écrit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Oh, alléluia. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu fait avec nous une alliance nouvelle. Dans cette alliance-ci, mon père, si ma mère avait fait quelque chose, il sera responsable lui-même. Mais moi, je n'entrerai pas là-bas. Moi, je ne souffrirai pas des conséquences du péché de mon père. Je ne souffrirai pas des conséquences du péché de ma mère. Dans le nom de Jésus, je brise cette alliance. Toute alliance qui a été faite par mes ancêtres ne m'influencera pas. Au nom de Jésus-Christ, au père, je brise Maya Tokorobusha. Dans le nom puissant de Jésus, toute alliance dans la famille de mon père qui a été contractée pour influencer ma destinée ou celle de mes enfants soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance qui a été contractée dans la famille de ma mère, mon Dieu, ou par un membre de ma famille, mon Dieu, pour chercher au Dieu de gloire, influencer ma destinée dans les négatifs, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je renverse ces autels, je renverse, oh rabababa, je brise ces alliances. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Maintenant, commence à déclarer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je ne subirai pas les conséquences du péché de mon père, de ma mère, je ne subirai pas les conséquences du péché des membres de ma famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Je refuse ces alliances. Je refuse ces alliances. Je refuse ces alliances. Au nom puissant de Jésus qui est là-bas, que ces alliances soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. Refuse. Commence à déclarer. Je refuse les maladies héréditaires. Je refuse les maladies héréditaires. Au nom de Jésus. Je refuse la tension héréditaire. Au nom de Jésus. Je refuse les diabètes héréditaires. Au nom de Jésus. Je refuse les maladies cardiaques. Au nom de Jésus. Je refuse toute maladie qui se répète dans les membres de ma famille. Dans le nom de Jésus. Je refuse la mort précoce et prématurée. Au nom de Jésus. Je refuse la stérilité. La stérilité de ma famille. La stérilité chez les filles ou chez les hommes. Sois brisé au nom de Jésus. Je refuse la limitation. La limitation. La limitation et les échecs qui se répètent. Dans le nom de Jésus. Il est écrit dans le livre de Nahum. Il est écrit dans le livre de Nahum. Alléluia. J'aime cette écriture. J'aime cette écriture. Peu importe ce que tes parents ont fait. Mais l'Éternel dit dans Nahum chapitre 1 verset 9, que méditez-vous contre l'Éternel, c'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Oh, j'aime cette écriture. Dieu dit que les malheurs, la détresse, les échecs ne vont pas se répéter deux fois. Ça veut dire que si hier tu avais échoué, ça veut dire que si ceux qui étaient avant toi ont bâti des hôtels d'échecs et que tu as échoué, mais Dieu dit ici maintenant la détresse ne se répétera plus deux fois. La détresse, le malheur, l'avortement, la fausse couche ne se répétera plus deux fois. Le mal ne se répétera plus deux fois. Dans le nom de Jésus, que cela soit ainsi. Je le déclare sur toi, tant que serviteur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, qui est le meilleur, toi qui compte,
Je brise toute détresse qui est sur ton chemin. Que cela ne revienne plus deux fois au nom de Jésus. Je brise l'échec qui est sur ton chemin. Que ça ne revienne plus deux fois au nom de Jésus. Je brise la fausse couche qui était devant toi. Que ça ne revienne plus deux fois au nom de Jésus. Je brise toute puissance de l'ennemi du ténèbre. Les maladies héréditaires ne revenant plus deux fois au nom de Jésus. Démon des maladies, quitte ma soeur. Démon des maladies héréditaires, quitte ma soeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quitte mon frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie de tension de quitter le corps, de quitter le corps. Au nom de Jésus, en tant que serviteur de Dieu, là où ma voix est écoutée, que les anges de délivrance, les anges de guérison descendent au Père. Commence à libérer les enfants de Dieu des maladies héréditaires, des maladies héréditaires, des maladies héréditaires, des comportements héréditaires négatifs. Au nom de Jésus, Rebayaman de Baba, Rekayama Turubo Chandelebeba, Rebaya Tokorobo Chetelebeya Baba, toute maladie héréditaire sous forme de tension. Je brise la puissance au nom de Jésus. Quête ma soeur, quête mon frère, sortez au nom de Jésus dans son corps, le même son corps au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, même de l'éveil à Baba, Rekaya Bandurubu Baba, Rebaya Tekelebeya Mandelebeya, Ora Baba Baba Baba, toute limitation, tout ce qui amène la limitation, que vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau dans la famille, dans le niveau professionnel, vous êtes toujours limité, vous ne pouvez pas exceller dans la carrière professionnelle. Nous brisons ces hôtels, commence à briser ces hôtels, commence à renverser cela. Au nom de Jésus, je vais exceller, moi et mes enfants, nous aurons excellé, moi et ma femme, nous aurons excellé, moi et mon mari, nous aurons excellé. Au nom de Jésus, là où mon père n'était pas arrivé, moi j'y arriverai, je dépasserai. Au nom de Jésus, là où ma mère n'était pas arrivée, moi j'y arriverai, je dépasserai. Au nom de Jésus, le Rebaya Kedebeya, priez Kedebeya Ndoudoua, priez Mandoudoua Chekedeba, priez Kedebeya Baba, Rekaya Mandoudoua, Olam Kedebeya Baba, dit la détresse ne reviendra plus deux fois, ne reviendra plus deux fois. Naoum a prophétisé, le malheur ne reviendra plus deux fois. Si tu avais perdu un enfant, si tu avais perdu quelque chose dans ta maison, dans ton foyer, j'ai dit maintenant au nom de Jésus, le malheur ne reviendra plus deux fois. Au nom de Jésus, j'avais dit malheur et toute détresse et malheur. Au nom de Jésus, si ton père était mort, moins de 60 ans, si ta mère était morte, moins de 60 ans, toi tu vivras. Je brise la puissance de la mort précoce au nom de Jésus. Je brise la puissance de la mort précoce au nom de Jésus. Je brise la puissance de la mort précoce sur ta vie au nom de Jésus. Rekayama Turobo Chandelebeba, Rekayama Tekelebeba, Rimandelebeba, Baba, Rebaya Turobo Yandekelebeba. Commence à prier, brise la mort précoce dans la famille. Brise la mort précoce au nom de Jésus. Brise la mort précoce au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'arrête la mort précoce et les cycles qui se répètent de la mort précoce. Et la mort précoce dans la famille. J'arrête cela au nom de Jésus. Comme une hémorragie qui se répète. Une hémorragie. On va arrêter l'hémorragie des événements malheureux dans la famille. Une hémorragie des problèmes. Une hémorragie des chômages. Une hémorragie de la prostitution. Une hémorragie des esprits impurs. Une hémorragie des divorces. Commence à arrêter ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si toute ma famille, les filles vivaient dans le divorce, les filles connaissaient le divorce ou vivaient dans la prostitution, moi je viens briser ces choses. Je viens briser sous l'autel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebaya Kedebeya Baba. Rebaya Dorobo Shaya Baba. L'Éternel a déclaré. Le malheur ne reviendra plus deux fois. Le malheur ne reviendra plus deux fois. C'est que les parents ont fait. Ça ne va pas. Ça ne va plus de plus. Rebaba. Rekaya Baya Dorobo Shaya. Oh merci Seigneur, je vois les choses se passer maintenant. Je vois les choses se passer maintenant. Au nom de Jésus, les anges de délivrance opèrent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, là où tu es maintenant, l'atmosphère va changer maintenant. Le mur soit maintenant enflammé. Enflammé par la présence de Dieu. Le mur là où tu es soit enflammé. Même si dans la voiture, que la voiture soit enflammée. Là où tu écoutes ma voix, que la présence de Dieu descend comme un feu au nom de Jésus. Comme un ouragan de feu que l'ennemi sort au nom de Jésus. Aujourd'hui, tout hôtel doit tomber.
Tout hôtel dans la famille de ton père doit tomber. Nous détruisons. On avait appelé Gédéon Jéroubal, celui qui a détruit les hôtels de Baal. Aujourd'hui, tu deviendras Jéroubal. Tu vas détruire les hôtels de Baal. Les hôtels de sorcellerie doit tomber. Au nom de Jésus, 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 commence à déclarer. Au nom de Jésus, dans ma famille, aujourd'hui, tous les hôtels d'accusation, tous les hôtels de condamnation, elles soient renversées. Au nom de Jésus, les alliances des parents, les alliances paternelles, ça peut pas être ton père, ça peut peut-être pas être ta mère, mais le frère de ton père, la soeur de ton père, le frère de ta mère, la sœur de ta mère, ou un cousin, une cousine, a contracté des alliances pour vendre la famille et vendre les étoiles et amener la malédiction. Aujourd'hui, ça doit tomber au nom de Jésus. Gédéon n'était pas là quand son père avait bâti l'hôtel de Baal, mais il a rencontré Dieu qui lui a donné le mandat de détruire les hôtels de Baal. Et toi, tu as rencontré le Dieu. Et notre Dieu, c'est El Gibor, le Dieu tout-puissant. El Gibor, le Dieu tout-puissant. Son nom, c'est Jésus qui est là-bas. En son nom, je brise les hôtels dans ta famille. Je brise les hôtels dans toute nos familles, Seigneur. Sois brisé au nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu, je parle. Que les hôtels soient brisés au nom de Jésus. Rebayabaraba. Dans la parcelle où tu habites, dans l'appartement où tu es, dans la maison où tu es, s'il y a des hôtels, commencez à briser cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, s'il y a des choses que le monde des ténèbres avait plantées, oh là là, pour contrôler ta vie, pour mettre des limitations, pour empêcher l'excellence, commence à briser cela. Au nom puissant de Jésus, qui je brise les hôtels dans la maison. Je brise les antennes de la sorcellerie, les hôtels de la sorcellerie, du ténèbre, de l'occultisme. Sois brisé au nom de Jésus qui est dans la parcelle, devant la porte de la parcelle, devant la porte de la maison, devant la porte de l'appartement, devant la porte de la parcelle. Au nom puissant de Jésus, que les anges de feu descendent. Que les anges de feu descendent maintenant. Et déterrer tout ce qui a été enterré. Parce que la Bible déclare, toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée au nom de Jésus. Dans ton lieu du travail, commence à prier. Dans les lieux du travail, tout hôtel qui a été bâti. Les hôtels de jalousie, bâti par les gens qui ne t'aiment pas. Des collègues qui veulent t'empoisonner. Des collègues qui veulent voir un malheur t'arriver. Qui veulent voir quelque chose t'arriver. En connivence avec les membres de ta famille. Que ces hôtels soient brisés au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. La Bible dit, tu seras la tête non la queue. Tu seras la tête non la queue. Je déclare que tu prospères à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ces hôtels soient renversés. Soit renversé. Soit renversé. Dans mon lieu du travail. Les esprits géants. Les esprits géants qui sont levés contre moi. Sont brisés. Les esprits géants. J'ai le foudroyé par le feu de Dieu. Rekayaba Torobo. Chande Kerebe Yababa. Remayatara Baba. Oh Rabashe Kerebe Yababa. Que le feu de Dieu consume dans la maison où je suis, tous les hôtels qui acquisent et qui condamnent ma vie. Sans brise au nom de Jésus. Rebayabala. Dans la parcelle, Mayano. Les hôtels, les antennes, les radars du ténèbre et de la sorcellerie et de la magie d'occultisme. Sans brise au nom de Jésus. Rekayama Torobo. Chande Rebe Yababa. Rebayabara Baba. Rebayatokorobo. Chande Rebe. Tout ce qui peut empêcher même tes affaires d'avancer. Tu fais un petit commerce, tu fais quelque chose de projet, mais ça n'avance pas, c'est à cause il y a des hôtels ou des réclamations. Nous allons prier les anges de Dieu de descendre et de libérer ton commerce, de libérer tes projets, de libérer ton avenir. Au nom puissant de Jésus. Tu as essayé quelque chose, ça ne marche pas. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Mais je vais te dire, la Bible dit, la détresse ne reviendra pas deux fois. Naoum chapitre 1 verset 9. Le malheur ne reviendra pas deux fois. Au nom de Jésus, cette fois-ci, tu dois réussir. Au nom de Jésus, nous brisons les hôtels d'échec. Nous brisons les hôtels d'échec. Nous brisons les hôtels d'échec au nom de Jésus. Eh bah yamana, priez, karabayandrobosha. Déclare après moi au nom de Jésus. Déclare après moi au nom de Jésus. Je renverse l'hôtel d'échec. Je renverse les malheurs répétitifs au nom de Jésus. Je renverse les hôtels de maladies héréditaires au nom de Jésus. Je renverse les hôtels de maladies de tension, de maladies du cœur, de diabète et de n'importe quelle maladie, de la tête aux pieds dans mon corps. Je détruis cela au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Re baba baba re maya tokorobosha. Voici les jours, vient dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Dieu fait aujourd'hui une alliance avec toi. Maintenant, commence à déclarer par le sang de Jésus.
par le sang de Jésus. J'ai une alliance avec le Dieu très haut. L'alliance avec le Dieu très haut. Et la nouvelle alliance domine sur l'ancienne alliance. La nouvelle alliance domine sur l'ancienne alliance. Parce que la Bible déclare, si l'ancienne alliance était valable, jusqu'aujourd'hui, on n'aurait pas dû parler de la seconde alliance. Alors si la seconde vient, c'est parce que l'ancienne alliance était caduque et en tombée. Maintenant, nous avons une nouvelle alliance. Et en Jésus-Christ, il y a une nouvelle alliance pour avaler au nom de Jésus. Comme les serpents de Moïse avalaient les serpents des Égyptiens. Maintenant, l'alliance que toi tu as faite maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ doit avaler les alliances de tes parents, doit avaler les alliances de ta mère, les alliances de ton père, les alliances des ancêtres. Tu déclares au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'alliance du sang de Jésus, du sang de Jésus. Avale, avale, engloutis, engloutis l'alliance de la famille de mon père, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, au nom de Jésus, de mes tantes paternelles, de mes tantes maternelles, de mes oncles paternels, de mes oncles maternels, au nom de Jésus. Je brise ces alliances dans le nom de Jésus. Seigneur, descend. Accompagne ma soeur. Accompagne mon frère. Et que les succès entrent. Et que les succès et que la réussite entre. Oh, tout ce qui est bloqué, qui n'allait pas s'éner devant nous, soit brisé au nom de Jésus. Ce qui nous empêchait d'exceller. Je brise ce au nom de Jésus. Je brise ce au nom de Jésus. Je brise les limitations. Je brise le manque d'excellence. Je brise la médiocrité. Je brise la médiocrité. Je brise ce au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise les limitations. Les vagabondages sexuels qui régnaient dans la famille, soit brisé au nom de Jésus. Les maris de nuit, les femmes de nuit qui régnaient dans la famille pour détruire les mariages, pour amener les divorces. Qu'ils quittent mon chemin au nom de Jésus. Qu'ils quittent ma maison au nom de Jésus. Qu'ils quittent ma femme au nom de Jésus. Qu'ils quittent mon mari au nom de Jésus. Rebaya tadawa shendelebea. Maya baba baba baba. Les malheurs, tu vas répéter, le malheur ne reviendra pas deux fois. Je n'accepte pas les malheurs de revenir. Au nom de Jésus, je refuse la maladie héréditaire. Au nom de Jésus, je refuse la stérilité. Je refuse la limitation des familles. Je refuse le manque de progrès. Je refuse les divorces. Je refuse la médiocrité. Je refuse le manque de promotion. Au nom de Jésus, tu es chrétienne. Tu n'as pas une vie chrétienne excellente. Chaque fois tu retombes, chaque fois tu tombes avant, la vie chrétienne ne marche pas. Tu n'entres pas dans les dimensions spirituelles. Maintenant, nous allons prier pour briser ces limitations. Tout ce qui t'empêche d'exceller dans les dimensions spirituelles, pour entrer dans une dimension intime avec le Seigneur, où tu peux recevoir des songes et des visions spirituelles venant de Dieu. Maintenant, nous brisons des limitations. Au nom puissant de la chaîne, Seigneur, j'ouvre les ciels pour mon frère, pour ma sœur, maintenant au nom de Jésus. Que les ciels soient ouverts au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, qui commence à être visité par le Saint-Esprit. Maintenant, que l'onction de Dieu descend sur eux. Descend sur mon frère. Descend sur ma soeur. Là où elle prie maintenant. Là où mon frère prie, que les anges de Dieu descendent. Dans la maison. S'il y avait un sorcier, s'il y avait un démon quelque part qui traînaillait les pieds, qu'il soit calciné par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Qui est au nom de Jésus. Et que la maison, la chambre de mon frère soit en feu au nom de Jésus. La voiture de mon frère soit en feu au nom de Jésus. Le chemin de mon frère et de ma soeur soit en feu au nom de Jésus. Et que l'onction de Dieu commence à utiliser mon frère. L'onction de Dieu commence à remplir ma soeur. Le feu du Saint-Esprit entre dans le cœur de ma soeur. Entre dans le cœur de ma soeur. Et le feu du Saint-Esprit entre dans le cœur de mon frère. Le feu du Saint-Esprit entre dans leur maison. Le feu du Saint-Esprit entre dans leur foyer. Le feu du Saint-Esprit entre dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, rakayaba torobosha. Il y a des choses qui se passent. Eh, rababa. Il y a des choses qui se passent. Rekayamandorobosha, ya baba. Eh, rababa. Il y a des hôtels qui sont renversés. Eh, rababa. Oh, alléluia. Il y a des anges qui sont avec nous maintenant. Oh, ceux qui sont avec nous, mon frère, ma soeur, sont plus nombreux. Oh, rababa. Rekayaba tekerebea. Rimaya torobosha. Que le feu de Dieu te touche maintenant. Oh, rababa. Et entre dans ta maison au nom de Jésus. Brise les hôtels qui te combattent. Dans ta maison, dans ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Oh, rebaya baba. Tu as besoin d'avoir des enfants, mais tu n'arrives pas.
parce qu'il y a une personne qui avait prononcé des paroles sur toi. Une parole qui avait déclaré, une personne qui avait déclaré des choses pour bloquer ta maternité. Maintenant, l'ange de Dieu est ici avec l'épée. Toi, tu vas déclarer. Et l'épée ici va aller briser les chaînes là qui ont lié ta maternité. Et tu vas déclarer, non pas seulement briser les chaînes, mais l'épée là doit frapper ton ennemi et percer son cœur. Cette personne doit mourir. Dans le nom de Jésus, priez le Seigneur, au nom de Jésus, je le mets à l'ange de Dieu, maintenant, pour aller avec l'épée, je brise les chaînes qui ont lié la maternité de ma soeur. Je brise les chaînes qui ont lié la matrice de ma soeur. Je brise les chaînes au nom de Jésus. Je brise chaque serpent dans les ventres soit tué par le feu de Dieu, au nom de Jésus, dans les ventres de ma soeur. Soit tué au nom de Jésus, dans mon frère, soit tué au nom de Jésus, dans les dos de mon frère, dans ses parties intimes, tout ce que le diable avait placé, soit brûlé par le feu, et que l'ange de Dieu me la parole. Avec l'épée, et frapper, et maintenant, je libère la maternité de mon frère, je libère la maternité de ma soeur, je libère la fertilité de mon frère, je libère la maternité de ma soeur, dans le nom de Jésus, et que maintenant l'ange de Dieu avec l'épée pourchasse nos ennemis, pourchasse la personne qui était instigatrice, Père de gloire, pour empêcher ma soeur de jouir de toute bénédiction, mon frère de jouir de toute bénédiction. Je déclare en tant que serviteur de Dieu que l'épée de l'ange descend et frappe. Frappe la personne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous avançons vers la fin. Nous avançons vers la fin dans ces 30 minutes de prière. Maintenant, c'était les 30 minutes de prière. Et aujourd'hui, c'est la destruction des hôtels familiales. Aujourd'hui, c'est la destruction des maladies héréditaires. Les hôtels de famille, les esprits familiales sont représentés comme des serpents. Maintenant, nous allons prier pour détruire ces serpents de famille. Tout serpent de famille. Déclare tout serpent de famille. Soit détruit au nom de Jésus. Par le paix. Le paix. Le paix de la parole. Le paix de l'ange de Dieu. Sa tête soit coupée au nom de Jésus. Je brise ces serpents. Je les tue au nom de Jésus. Quittez ma maison, quittez mon chemin. Quittez mes enfants, quittez mon mariage, quittez ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, rekereyadana. Alléluia. Oh, rabababa. Je brûle ces serpents au nom de Jésus. Qui sont brûlés. Les serpents de ta famille. Les serpents qui te commencent à brûler au nom de Jésus. Que le feu de Dieu maintenant agit. Oh, merci Seigneur. Commence à déclarer. Rababa. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Ma vie est libre. Oh, rababa. Oh, le succès est revenu. La joie est venue. La prospérité est retournée. Mande de Biaba. Oh, Yakaraba Yandela. Là, oh, rababa. À partir d'aujourd'hui, je suis. Oh, rababa. Oh, Rakayaba. À cause de Golgotha, je suis prospère. À cause du sang de Jésus, je suis prospère. Commence à appliquer le sang de Jésus maintenant. Dans toutes tes affaires, dans tout ce que tu fais. Dans ta santé, dans ta vie, dans tes projets. Applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare le succès, je déclare la réussite, je déclare le succès, je déclare la réussite au nom de Jésus. Je déclare, oh rababa, alléluia, ikayabaya, turubo, shenirigeya, alléluia, oh rebayabadaba, merci Seigneur, alléluia, eh rababa, remaya, tokorobo, shenirigeya. Alléluia, Rababa. Oh, le sang de Jésus soit appliqué par Rabayandurba. Remayandurba devant ma porte, devant ma maison, dans ma chambre, sur mon lit, sur mes affaires, au bureau, partout, dans ma voiture. Tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Sur mes enfants, j'applique le sang de Jésus. Remayandurubosha. Rekayabate kerebeya baba. Rebayatorobosha. Le sang de Jésus, la bête des classes, ils l'ont vaincu, c'est à cause du sang de l'agneau. Et nous avons vaincu. Nous avons renversé les autels. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Et partout ton nom a été placé sur les autels, le sang de Jésus passe par là et efface ton nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu, je déclare que ton nom soit effacé dans les autels des familles, au nom de Jésus, dans les autels des jalousies, au nom de Jésus. Et que tu sois libre, libre, libre maintenant. Et que la maladie qui règne dans ton corps d'origine héréditaire puisse quitter au nom de Jésus. Je te déclare guéri, reçois la guérison de Jésus, reçois la guérison au nom de Jésus, reçois la guérison au nom de Jésus. Déclare Jésus guéri. Au nom de Jésus, déclare Jésus guéri. Je suis libre au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ton ventre commence à vomir, ça va sortir de sa bouche au nom de Jésus. Tout ce qui est dans les ventres de ma soeur puisse sortir au nom de Jésus. Que les anges de Dieu commencent à faire vomir les gens maintenant, les choses qui sont dans les ventres. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.
Sois béni, Père éternel, nous te remercions. Alléluia. Oh, je suis obligé de m'arrêter ici. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez continuer à prier. Vous pouvez continuer à prier. Répétez cette bande à la maison. Répétez vous-même cette bande de prier. Mettez-vous à minuit juste là où Dieu te lève. Tu mets cette bande. Tu commences à détruire les hôtels de famille. Tu commences à détruire les hôtels de famille. Regarde dans votre famille les choses qui se répètent souvent, qui sont négatives. Regarde dans votre famille les maladies qui se répètent souvent. Un comportement qui est dans les membres de ta famille qui se répète. Et regarde les choses que tu vois, ça ne marche pas, des limitations, les choses qui se répètent. Et je te donne la parole de Dieu. Si quelqu'un a fait cela, l'Éternel a dit, il est vivant. Chacun mourra pour ses propres iniquités. Chacun mourra. Tout homme qui mangera des raisins verts, ce sont ses propres dents qui seront agacées. Toi, tu ne vas pas payer le prix de quelqu'un au nom de Jésus. Et le malheur ne reviendra plus deux fois dans ta vie. La disette, la souffrance, oh, la détresse, Naoum a déclaré, ne reviendra plus deux fois. Reçois ce que j'ai déclaré, le serviteur de Dieu, au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu entre dans ta maison. Là où tu vas dormir, que la lumière de Dieu soit là. Les anges de feu puissent garder ta maison aux quatre coins, au nom de Jésus. Et que la lumière de Dieu règne dans ta maison. Et dans ton travail et dans tout ton chemin. Je te bénis en tant que serviteur de Dieu et sois béni et que la lumière de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Et les saints disent Amen et Amen. Et tu continues à prier et dire merci Seigneur, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, je suis dans une nouvelle alliance et la disette ne reviendra plus deux fois. Je ne paierai plus le prix de mes parents. Je crée et j'entre dans une nouvelle alliance avec mon Dieu et mes enfants vont bénir de cette alliance. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Rebaya barabashite. Si l'échec me va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur. Oh, suis-le. Oh, suis-le. Par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans les lieux très saints et il prie pour toi. Maintenant saisis la main de ton sauveur. Car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le, par la foi.